Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons voir le sujet on, qui s'écrit on. On, on, peut se remplacer par l'homme ou par il, il. On, on, est toujours sujet d'un verbe qui doit s'écrire à la troisième personne du singulier. On chante, qui se termine par e. Enchanté se termine par haïté. Alors, on chante, c'est la troisième personne du singulier. C'est comme si vous écrivez il chante, il, ou l'homme chante. Il chante. Où l'homme chante. Voilà. À l'imparfait, enchanté. Donc c'est la troisième personne du singulier. Vous pouvez remplacer on par il pour savoir, pour connaître la fin de la conjugaison, de la terminaison. Il chantait, a été. Où l'homme chantait, haïti. Donc, dans votre conjugaison, vous avez je chante, tu chantes avec S, il chante et on chante. Entre les deux, vous avez aussi elle chante. Elle chante. Voilà, donc il ou elle ou on, ça se termine de la même manière au singulier. Voilà. Chanter. On. Donc, on va encore donner d'autres exemples. Alors, on s'amuse et on rit. On s'amuse et on rit. Donc, c'est comme si vous écrivez il s'amuse et il rit. De même pour elle s'amuse et elle rit. Voilà, j'espère que c'est clair. À bientôt!